Eh, hey, franchement, vous exagérez un petit peu, hein. Shyamalan, c'est un superbe réalisateur, quoi. Incassable, Le Village, Phénomène, le dernier, Split. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, vous avez pas envie de lui laisser une sixième chance? Sixième chance, ça, c'est... Non, bon, bref. Allez, jingle. Hey, salut à tous, bienvenue dans le Cinéclème, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira du film Old, réalisé par M. Night Shyamalan et mettant en scène Gael Garcia Bernal et Vicky Krieps. Et ce nouveau Shyamalan, il parle de quoi? Eh bien, Old raconte l'histoire d'une famille composée de Guy, Priska et leurs deux enfants qui, lors de leurs vacances tropicales, se rendent sur une plage isolée. Mais une fois sur place, un mystérieux phénomène se produit, tout le monde vieillit à toute vitesse, résumant une vie entière en une journée. Information importante, à la base, Old est l'adaptation d'un roman graphique français du nom de Château de Sable sorti en 2010 et écrit et illustré par deux messieurs qui s'appellent, attendez je vais vous le dire, Frédéric Peters et Pierre-Oscar Lévy. Voilà, bonjour messieurs. Alors, je vous le dis maintenant, cette critique sera sans spoil comme d'habitude, mais elle risque d'être très très compliquée parce que M. Night Shyamalan est mon réalisateur préféré. Donc je vais essayer d'être le plus objectif possible, essayer de relever les points positifs et bien entendu les points négatifs. Eh bien, verdict, qu'est-ce que j'ai pensé de Old, le nouveau film de M. Night Shyamalan? Eh bien, Old est un film fragile, un film plein de bonnes idées sur le papier, mais qui regorge d'incohérences, ça va dans tous les sens, et malheureusement, bah, ça peut perdre la plupart du spectateur. Est-ce que moi ça m'a perdu? C'est la question du jour. Eh bien non, parce que j'ai adoré le film, avec ses incohérences. Et ça c'est beau. Old est un huis clos à ciel ouvert qui se referme progressivement sur les acteurs du métrage et sur le spectateur. Le film a beau durer 1h48, on a l'impression que le temps ne s'écoule pas aussi rapidement, ce qui est particulièrement étrange au vu du scénario qui traite justement du temps qui passe trop vite. Et ça c'est un point qui est très important parce que si on connaît le travail de M. Night Shyamalan, on sait très bien que le fantastique et l'horreur, ben c'est juste la forme, c'est juste la partie de l'iceberg qui dépasse. En dessous, ça n'a absolument rien à voir. Car oui, même si le film présente des images d'horreur et parfois dérangeantes, Old est en réalité un film sur la vie, sur l'amour, sur la famille et ce qu'on décide d'en faire et de ce que la vie nous fait en retour. Multipliant les métaphores sur chaque plan, Shyamalan offre un film visuellement très beau et poétique et qui, sous l'horreur, cache énormément de mélancolie. D'ailleurs, hyper intéressant, observez bien si vous n'avez pas encore visionné le film, le long métrage brouille énormément les pistes avec les codes couleurs qui sont des éléments fondamentaux dans le cinéma de M. Night Shyamalan. Concernant les personnages, il y a des problèmes d'écriture, de dialogue et d'utilité pour certains. Shyamalan a tellement envie de brouiller les pistes, d'envoyer le spectateur sur un autre chemin pour éviter de comprendre ou d'anticiper la fin de son long métrage. Et je suis convaincu que pas mal de spectateurs vont souligner l'attitude assez chelou et incohérente de certains personnages, mais c'est pas ce qui m'a le plus dérangé. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est que Shyamalan n'arrive pas à respecter les règles qu'il installe dans son film. Le personnage de la mère explique qu'une demi-heure correspond à un an de leur vie, mais une fois les règles en jeu, tout s'accélère pour certains personnages, mais pas pour d'autres. Mais contradictoirement parlant, dans un sens, je peux comprendre. En y réfléchissant, je pense pas que les enfants vieillissent plus vite que les parents. Je pense, en tout cas, je pense que c'est ce qu'il a voulu nous montrer, c'est que 4 ans dans la vie d'un enfant n'est pas la même chose physiquement pour la vie d'un adulte qui a une quarantaine d'années. Je veux dire, un homme ou une femme de 44 ans, quand il passe à 48 ans, tu vois pas trop l'évolution physique, alors que une fille ou un petit garçon de 10 ans à 14 ans, c'est plus du tout la même personne. Donc je pense qu'il faut le voir dans ce sens-là. Et concernant ce choix d'avoir expliqué à un moment du film que ben les cheveux et les ongles ne vieillissent pas, quoi, sont arrivés à un stade où voilà, ça pousse pas, ça vieillit pas, ça fait rien. Je pense que c'est des raisons économiques, c'est-à-dire que là, à mon avis, il avait peut-être pas le budget pour s'emmerder avec des effets spéciaux, pour tout faire pousser, pour des questions de cohérence, tout ça et tout. C'était plus handicapant qu'autre chose. Donc voilà, ils ont installé ce truc un petit peu du chapeau magique, mais ça se comprend. Shyamalan aime demander aux spectateurs d'imaginer ce qu'il ne montre pas directement. Le cinéaste n'est pas explicite concernant la mort à l'écran, c'est souvent évoqué, un peu masqué ou carrément hors champ. Et d'ailleurs, en plus d'avoir une bande originale qui est absolument magnifique, franchement la BO de ce Old est sublime, enfin... J'adorais. Eh bien, le Shyamalan s'amuse énormément à la réalisation. Il s'amuse énormément à embarquer le spectateur avec sa caméra, à faire des longs travelling, à faire des plans séquences. Il fait des trucs sublimes et des trucs un petit peu moins bien. Et quand je parle de moins bien, j'entends ce qu'il faisait déjà dans son film précédent Glass, c'est-à-dire accrocher un stabilisateur avec la caméra autour de la taille de l'acteur et tout filmer en dessous du menton, quoi. C'est-à-dire qu'on voit le visage. Par exemple, dans Old, il y a un personnage qui va se mettre à courir avec la caméra en dessous. Bah, c'est pas très beau. On a l'impression qu'il tire son téléphone portable, qu'il essaye de faire un selfie et qu'il court en même temps. Donc, esthétiquement,
graphiquement, c'est très amateur en fait. Autre point étrange, sans trop en dévoiler, c'est l'attitude des enfants qui sont autour des 6-10 ans et qui ont des attitudes donc d'enfants sur des corps d'adultes, puis par d'autres instants, des attitudes d'adultes qui s'éloignent complètement de leur innocence. Très 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 étrange l'évolution des personnages dans ce film. Je pense qu'il va me falloir un second visionnage en ayant justement le premier en tête pour essayer d'observer tous ces petits détails là. Je pense que je suis passé à côté de plein de choses, à côté de plein d'éléments, parce que le film, on va pas se mentir, est hyper chargé et je pense vraiment qu'un visionnage ne suffit pas. Par contre, là de suite, on va parler de la fin du film, mais vous inquiétez pas, toujours sans spoil. C'est très étrange et à la fois hyper décevant parce que j'ai l'impression que depuis le climax de Sixième Sens, tout le monde colle l'étiquette de twist à M. Night Shyamalan et attendent quelque chose d'égal ou de supérieur à Sixième Sens. Parce que franchement, si on regarde la filmographie du gars, ben, à part Sixième Sens, je dirais qu'il y a Le Village et peut-être Glace, mais sinon, il n'y a pas de... de grosses révélations à la fin de tous ces films. Mais le problème, c'est que quand il en fait, et notamment pour Old, eh ben, il a tendance à nous la sortir un petit peu comme ça, quoi, du chapeau magique, c'est-à-dire un élément qui pop d'un coup et qui permet justement de débloquer le scénario, de l'avancer très vite et de le conclure. Et c'est l'impression que j'ai eu avec Old, c'est-à-dire à l'image de Glace, de nous sortir un truc un petit peu what the fuck et improbable, on peut se le dire, bah pour pouvoir conclure et expliquer son long métrage. Et ça, à mon avis, c'est ce qui va éloigner le spectateur. Parce que même si j'ai trouvé cette fin, entre guillemets, logique et cohérente, bah ça m'a saoulé qu'on me l'explique en fait. J'aurais peut-être préféré me dire que c'est un film qui était 100% sur la vie, voilà, c'était une introspection, c'était des métaphores, et à la rigueur, voilà, on se laissait un petit peu d'imaginaire sur la fin. Non, il faut que M. Night Shyamalan nous file la notice du jeu, et ben la notice est particulière. En conclusion de tout ça, le Hold de M. Night Shyamalan est un petit peu comme le Vivarium de Lorcan Finnegan, c'est-à-dire un long métrage qui pourrait très bien être un épisode plus court de la quatrième dimension ou de Black Mirror pour les plus jeunes. Et c'est avec un pitch très très fort qui tient sur un bout de papier et que malheureusement il est obligé de déchirer à la fin pour nous donner la réponse. J'ai eu l'impression pendant Old de voir un spectacle qui m'a plu, de voir des tours de magie qui m'ont plu. Et je sais pas pourquoi à la fin du spectacle le magicien est remonté sur scène pour nous dire bah écoutez, le lapin était en plastique, tout était faux, je vous donne les notices. Voilà, Old reste malgré tous ses défauts un long métrage qui correspond parfaitement à ce que j'aime dans le cinéma, qui correspond absolument à mes attentes, qui coche absolument toutes les cases que j'aime dans le cinéma. Et j'aimerais toujours M. Night Shyamalan parce que même dans le mauvais, j'arrive à lui en tirer du bon. Et voilà, je vous l'avais dit, je serais pas très objectif. M. Night Shyamalan a réussi son Old et Old fait partie de mes films préférés de cette année 2021. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas, Twitter, Facebook et Instagram, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire pour me dire tout simplement déjà est-ce que vous avez aimé cette vidéo, est-ce que vous comptez aller voir Old de Shyamalan, est-ce que vous comptez pas le voir, est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas, est-ce que surtout vous aimez son cinéma là. Quel est votre film préféré de M. Night Shyamalan? Est-ce que c'est Incassable? Est-ce que c'est Sixième Sens? Est-ce que c'est Le Dernier Maître de l'Air ou After Earth? Bref, je lis tout le monde et réponds à tout le monde. Et moi en attendant, bah, je vais vous laisser ici. Je vous embrasse, je vous aime et vous dis à très très vite dans le Ciné-Clem. Ciao!